Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une délicieuse sauce chien pour les amateurs de piment comme moi. C'est par ici que ça se passe. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour la qualité de la vidéo. Il y aura des tremblements. Donc, ne m'en tenez pas rigueur, c'est le métier qui rentre. Pour commencer cette recette, nous allons émincer finement un oignon. Nous allons verser dans un saladier, puis nous allons enlever les petites germes des gousses d'ail. On les mince très finement également. Et on verse dans le saladier avec l'oignon. Ensuite, on émince notre persil. Très finement aussi. Donc là, en fait, finalement, c'est que de la découpe hein, sur cette recette. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Mais qu'est-ce que c'est bon? Et nous allons venir couper nos piments. Je vous conseille de porter des gants et enlever toutes les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Et on va également les mincer très très finement. Sur le saladier. C'est une très très jolie couleur, j'adore cette sauce, elle est magnifique. Ensuite, on coupe nos citrons verts. On rajoute le jus. Et on vient couper notre ciboulette. Si vous avez la chance de trouver des cibles, ça donne quand même meilleur goût. Moi, j'en trouve pas par ici. C'est pas vraiment la saison non plus. Et on rajoute ça dans notre saladier. Ensuite, nous allons rajouter notre eau frémissante. Et puis l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile neutre, moi je préfère le goût de l'huile d'olive. On sale et on poivre. Il n'y a plus qu'à mettre au frigo, la recette est prête. Vous pouvez accompagner avec des grillades, des poissons, des crevettes. Moi j'en mets un petit peu partout. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.